Salut à toutes et à tous, cette semaine dans la chronique, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un studio de développement. Il s'agit de Westwood Studios. Alors, pas sûr que ce nom parle à beaucoup de monde aujourd'hui, mais il faut savoir que dans les années 90, il avait acquis une renommée incroyable sur le marché des jeux vidéo sur PC, grâce au jeu Dune 2 d'abord, puis surtout Command & Conquer et son spin-off Alerte Rouge. Des jeux qui ont posé les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui les RTS, les jeux de stratégie en temps réel, qui sont basés sur le principe simple de construire, récolter et détruire. Autrement dit, je construis une base, je récolte des ressources qui me permettent ensuite de construire une armée pour aller détruire l'adversaire. Un principe qui ressemble aux jeux vidéo 4X, exploration, expansion, exploitation, extermination. La grosse différence, c'est que les 4X sont quasi uniquement au tour par tour, alors que les RTS sont en temps réel. Devenant un pilier du genre RTS donc dans les années 90, leur concurrent principal sera Blizzard Entertainment et qui prendra par la suite un petit peu le dessus avec le jeu Warcraft puis surtout Starcraft dans les années 2000, un des plus gros succès commercial sur PC. La force de Westwood Studios, non seulement sur le marché des RTS, est aussi d'avoir marqué l'histoire du jeu vidéo par ses talents de développement, passant toujours avec brio du style RPG au style plateforme, mais aussi au style aventure graphique, avec des graphismes toujours incroyables pour l'époque, surtout sur PC ou sur ordinateur. Westwood Studios, c'est aussi des hauts et des bas, racheté d'abord par Virgin Interactive en 1992, puis revendu à Electronic Arts en 1998, qui décidera de fermer malheureusement les portes Westwood Studios en 2003. C'est la fin d'une époque, laquelle c'est un peu la mienne, car Command & Conquer a beaucoup marqué mon adolescence, et c'est pourquoi j'avais très envie de vous faire partager l'histoire de Westwood Studios, un studio marquant et influent hier, et malheureusement complètement oublié aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vous propose une chronique rétrospective sur l'histoire assez complète de Westwood Studios. Alors l'histoire de Westwood Studios commence en 1985, quand dans le garage d'une maison de Las Vegas, Brett Sperry et Louise Castle créent la société Breloos Software, qu'ils renomment deux mois plus tard Westwood Associates. Leurs premières missions vidéoludiques sont en quelque sorte d'être sous-traitants, c'est-à-dire que les premiers contrats consistent à réaliser des portages de jeux 8 bits sur des ordinateurs tels que l'Amiga et l'Atari ST, travaillant ainsi avec des entreprises éditrices comme Epix, Strategic Simulation Inc. ou encore Electronic Arts. Au bout de 3 ans de travail peu gratifiant et peu créatif, Westwood Studios souhaite développer leur propre jeu vidéo. Cela commence avec The Mars Saga en 1988, édité par Electronic Arts sur Commodore 64, Apple II et MS-DOS. Il s'agit d'un RPG futuriste se déroulant sur Mars, qui a l'originalité de proposer des phases en vue à la première personne ou en vue de dessus. L'année suivante, le jeu aura droit à un remake nommé Minds of Titan, qui se déroulera cette fois sur Titan, une lune de la planète Saturne, avec aussi une nouvelle histoire, deux nouvelles créatures, cette fois éditées par Infocom. En 1988, Strategic Simulation Inc., abrégé SSI, confie le développement de Questron 2, un autre RPG, mais cette fois dans une ambiance plus fantasy. Infocom obtient en 1989 la licence Battletech, déclinée principalement en jeux de guerre sur plateau, mais aussi plus tard des cartes à collectionner, des livres, une bonne centaine, et une série animée pour la télévision. Et c'est justement grâce à Infocom, l'éditeur, que Westwood Associates développera deux jeux, Battletech The Crescent Hawks Inception en 1988, puis The Crescent Hawks Revenge en 1990, des jeux qui mélangent plusieurs styles entre RPG, aventure au tour par tour, mettant en scène des guerriers mécanisés. Alors, très intéressant visuellement, on est en vue de dessus avec une liste d'ordres à effectuer, le fait de diriger ses troupes sur la carte, on sent un petit peu déjà les prémices du genre RTS qui pointe son nez. Jusqu'en 1991, Westwood Studios développera quelques autres jeux, Nightmare on Elm Street, basé sur les films d'horreur de Freddy. Westwood Studios réalise en fait le portage sur ordinateur, puis Hills Far, un RPG basé sur l'univers de Donjons et Dragons, mélangeant deux styles de gameplay, l'action en temps réel ainsi qu'une aventure, l'exécution de quêtes générées aléatoirement avec 4 races et 4 classes de personnages. S'ensuit Circuit Age, un RPG mettant en scène un détective privé, Dragon Strike en 1990, tient donc encore un autre RPG, mais ici intégrant aussi des phases de simulation de vol. Alors dans l'ensemble, les jeux de Westwood sont plutôt bien accueillis par la critique, mais les ventes en général restent assez modestes pour leurs éditeurs. Cela va commencer à changer avec en 1991 la sortie de deux jeux, Eye of the Beholder. Westwood a pris ses marques et maîtrise de mieux en mieux les gameplays de RPG
un peu à l'occidental dirait-on. Les graphismes aussi font un bond en avant, de grande qualité, très détaillé. On retrouve ici un univers à la Donjons et Dragons, toujours en vue à la première personne, incluant 6 personnages. La suite en 1991, Eye of the Beholder 2, The Legend of Darkmoon, reprend les mêmes principes de gameplay, d'interface en un peu plus joli graphiquement, de plus grands environnements et donc aussi de fait plus de choses à faire et une plus grande variété d'ennemis. Ce dernier jeu reçoit d'excellents retours critiques, le nommant souvent comme le RPG de l'année 1991. Les jeux de Westwood Associates répondent en fait à une forte demande de la part des joueurs, à une mode aussi, les RPG stylés occidentaux qui attirent beaucoup sur ordinateur, une offre que l'on retrouve que très peu sur console de salon. On l'a vu, Westwood est très amateur de l'univers des Donjons et Dragons, et après tous ces jeux principalement sur ordinateur, il décide de créer deux jeux Donjons et Dragons sur console, Order of the Griffon pour la TurboGrafx 16, c'est un peu l'équivalent de la PC Engine aux États-Unis en 1991, puis l'année suivante Warriors of the Eternal Sun pour la Mega Drive, mais bientôt une petite révolution va avoir lieu sur ordinateur, une nouvelle mode qui va s'installer et dont Westwood Associates va en être le précurseur puis le leader. Il s'agit des RTS, des jeux de stratégie en temps réel. Alors précurseur, c'est pas exactement le terme qu'on pourrait employer. En 1989 était déjà sorti au Japon, d'abord sur Mega Drive par Technosoft, un jeu nommé Herzog Spy qui avait intégré dans son gameplay des éléments novateurs, qui en fera le véritable initiateur du style RTS. En 1992, c'est aussi l'année où Westwood Associates est renommé Westwood Studios suite à son rachat par la société Virgin Games. La société Sierra Online, célèbre dans le genre aventure graphique, avait fait une offre de rachat plus importante, mais Virgin promettait de laisser à Westwood une plus grande liberté et autonomie dans le développement des prochains jeux. Et pourtant, on sent quand même qu'une époque vient de se terminer pour Westwood. Toujours est-il qu'en 92, Virgin Interactive avait l'intention de faire concevoir des jeux sur le nom de Dune, issu du célèbre livre de Frank Herbert, sorti en 1965, mais aussi basé sur le film de David Lynch, sorti lui en 1984, et qui sera d'ailleurs un échec au box-office. Virgin demande donc à Cryo Interactive, une société française créée par des anciens de chez Infogram, de développer ce qui sera le premier jeu officiel Dune, et qui sera sous forme d'aventure graphique. Et là, c'est pas très très clair, puisque Virgin demande également à Westwood de créer un autre jeu Dune, et qui sera lui un style RTS, car la guerre autour des ressources, contrôler les épices, était une bonne base pour ce style de jeu. Et Virgin aurait fait donc croire que le jeu de Cryo Interactive aurait été annulé, mais en fait il ne le sera pas. Le jeu Dune de Cryo sort finalement en 1992, quelques mois avant la sortie du jeu de Westwood, qui sera du fait renommé Dune 2. Brett Spirit, cofondateur de Westwood, protestera de cette décision, c'est assez ambigu, mais avec le temps, finalement c'est Dune 2 qui recevra plus d'éloges, et on s'en souvient encore 20 ans après. Spirit trouvait que les wargames sur ordinateur étaient assez ennuyeux, il voulait renouveler le genre avec du temps réel, beaucoup plus prenant. Il s'inspirera donc de Populous, entre autres, de son ancien travail sur Eye of the Beholder, de Herzog Zwei aussi, et bien sûr apparemment de l'interface du système d'exploitation Mac. En mélangeant le tout, on obtient donc Dune 2, qui va vraiment poser les bases de tous les RTS qui suivront, même StarCraft dans un sens. Les principes de base des RTS sont alors très simples, on doit construire une base, récolter des ressources qui nous permettront de construire ensuite une armée pour aller détruire l'adversaire. Dune 2 devient vite une référence, un des jeux les plus influents de l'histoire du jeu vidéo quand on voit ce que StarCraft est devenu. Le brouillard de guerre, la micro-gestion d'une base militaire, l'économie basée sur la récolte, le fait de gérer tout ça avec sa souris dans une interface très claire. Westwood, après ce succès, développera une suite en 1998 nommée Dune 2000 sur PC, puis un portage sur la PlayStation, et enfin Emperor Battle for Dune en 2001. En fait, le Dune 2000 est une sorte de remake de Dune 2, avec bien sûr beaucoup d'améliorations techniques, et Battle for Dune, uniquement sur PC, sera lui en 3D, où le mode campagne est divisé en deux, une partie au tour par tour sur une carte pour décider des territoires à conquérir, et la deuxième partie qui se joue en temps réel à la manière d'un RTS classique, car justement en 2001, de nombreux RTS sont sortis, Warcraft, Age of Empires ou même Starcraft, et Battle for Dune n'arrive pas vraiment à renouveler le genre malgré d'excellentes qualités. De 1992 à 1995, Westwood Studios va aussi s'essayer à de nouveaux genres de jeux, et c'est là qu'ils vont montrer tout leur talent, le fait de ne pas se cantonner à un seul genre. Ils vont ainsi lancer plusieurs séries de jeux vidéo. En 1992 sort The Legend of Kirandia, qui se déclinera en une trilogie, il s'agit d'une aventure graphique en point and click, qui connaît une certaine mode à l'époque sur ordinateur.
Pour ces trois jeux sortis à un an d'intervalle chacun, Westwood a apporté un soin tout particulier au graphisme, dans le jeu, dans les cinématiques, dont l'univers est plutôt fantasy avec l'histoire d'un royaume sur une île enchantée, de pactes magiques, d'un bouffon diabolique et maléfique nommé Malcolm, deux prêtresses, deux dragons, deux magiciens, une histoire riche et bien écrite, et dont le troisième jeu, Malcolm's Revenge, on incarne le fameux Malcolm, l'antagoniste des deux jeux précédents. Suite au rachat par Virgin après le succès de Eye of the Beholder, Westwood souhaite proposer un nouveau RPG, quelque chose de différent. Il crée ainsi une nouvelle trilogie, Lands of Lore, The Throne of Chaos sort en 1993, un RPG ressemblant néanmoins pas mal graphiquement à Eye of the Beholder, car utilisant à peu de choses près le même moteur de jeu, on peut y jouer un des quatre personnages toujours dans cet esprit donjons et dragons, mais ne recevra d'ailleurs pas que des éloges, entre autres à cause de ses combats et de son côté répétitif. Lands of Lore Guardians of Destiny, le deuxième opus en 1997 sur PC uniquement. Alors là pour le coup, le gameplay change complètement puisqu'on passe en vue à la première personne en temps réel, un genre devenu à la mode. Le jeu s'éloigne aussi du style Donjons et Dragons pour se rapprocher du style action RPG. Graphiquement, on reste dans la moyenne plutôt basse, mais son système de jeu reste très correct. C'est en 1999 que sortira le troisième jeu de la série, Lands of Lore 3, tout simplement. Un mélange de hack and slash avec des armes de corps à corps, le système de jeu ressemble à la série de Bethesda, The Elder Scrolls. Pour son côté spécialisation du perso grâce au guild, on y débloque aussi des compétences grâce à l'augmentation des statistiques du personnage, grâce à l'expérience acquise lors de combats. Westwood Studios devient alors spécialiste du RPG à l'occidental, surtout sur PC mais aussi sur console de salon, quand en 1994 ils sortent Young Merlin sur la Super Nintendo, que l'on peut même qualifier d'action RPG comme une sorte de nouveau Zelda. Mais Westwood a de nombreux talents et s'essaye aussi à d'autres genres comme le platformer, Le Roi Lion, sort en 1994, issu de l'univers du dessin animé qui vient de sortir au cinéma, une commande de la part de Disney, dont Virgin sera l'éditeur, est sorti sur à peu près tous les supports de l'époque. Oui mais voilà, 1995 approche, Dune 2 a été un très bon succès critique et commercial, mais cela ne suffit pas, Westwood Studios compte bien profiter du nouveau style RTS qui devient à la mode pour les joueurs PC. Comme le disait Brett Sperry, Dune 2, c'est bien, mais il est temps de construire le jeu RTS ultime. Le titre du jeu, tout un programme, Commander et Conquérir, Command and Conquer, sort donc en 1995 après 2 ans de développement sur PC et Mac, puis plus tard sur console. Alors on reprend le concept, le gameplay de Dune 2, mais dans des environnements plus contemporains que la première guerre du Golfe leur inspirera, entre deux factions jouables qui ne sont pas vraiment nommées dans le jeu, les épices deviennent le Tiberium, la nouvelle ressource à collecter, et les armements plus modernes, infanterie, tank, etc. Command & Conquer est très vite un immense succès, plus de 500 000 exemplaires vendus la première année, plébiscité par la presse et par les joueurs, et lance ainsi une série ultra populaire, une des plus importantes sur ordinateur, puisque la série se vendra au total, spin-off inclus, à plus de 30 millions d'exemplaires jusqu'à aujourd'hui. Puisqu'en effet, la série va se décliner en deux trames. Alors tout d'abord, il y a Tiberian, avec le premier jeu Command & Conquer en 1995, puis Tiberian Sun en 1999, Renegade en 2002, sera lui un jeu de shoot à la première personne et à la troisième personne, puis ensuite trois autres jeux Command & Conquer 3, Tiberium Wars en 2007, Command & Conquer 4, Tiberium Twilight, et encore en 2012 un MMORPG par navigateur en free-to-play, Command & Conquer Tiberium Alliance. Alors je vais pas trop m'étendre sur la série Command & Conquer en général, peut-être pour la garder pour une chronique plus tard. Et face à la série Tiberium, Westwood Studio crée donc un spin-off nommé Red Alert, Alerte Rouge, dont le premier jeu sort en 1996. Ce qui va le différencier de la série principale, c'est que cette fois, les deux camps jouables sont nommés. Alors on a les Alliés d'un côté et les Soviétiques de l'autre, dans une espèce d'Uchronie, une histoire alternative. Les deux camps souhaitant s'emparer de l'Europe, chaque force a ses propres bâtiments, ses propres troupes, ses propres moyens de défense, sur Terre et dans les airs, et gardant bien sûr le même principe de base des RTS. Alors là où la série va faire fort dans son concept global, c'est par l'ajout de nombreuses cinématiques qui seront de véritables vidéos avec de vrais acteurs et actrices en full motion vidéo. Et avec le recul des années, ces cutscenes peuvent paraître assez kitsch, mais à l'époque elles étaient plutôt rares dans le jeu vidéo et donnaient un sens à la narration. Bon, la justesse de la comédie n'était pas toujours au rendez-vous dans les premiers jeux Command & Conquer. Par souci d'économie, il y avait très peu de véritables acteurs. Il s'agissait souvent des équipes de développement de Westwood, et c'est ainsi que l'on découvre des personnages comme Kane, Yuri, même un certain Joseph Staline,
ou même encore l'agent allié Tanya Adams, véritable mercenaire commando super efficace, un genre de Rambo au féminin qui arrivait à elle toute seule à détruire toutes les installations ennemies. Au fil des jeux Red Alert, Tanya sera interprétée par trois actrices, Lynn Litter dans le premier jeu, puis la sexy Carrie Weirer dans le deuxième jeu, et enfin la non moins sexy Jenny McCarthy dans Red Alert 3, que tous les fans de photos de charme doivent connaître. Ce dernier jeu rajoutera d'ailleurs une troisième faction, le Japon, mais à vrai dire, ce troisième opus n'a pas été développé par Westwood Studios, on va y revenir, ni même le Command & Conquer Red Alert version iOS en 2009. La série Command & Conquer dans son ensemble fait largement partie de l'histoire du jeu vidéo. Il a popularisé le style RTS avec un gameplay qui fera référence encore de nos jours. L'ajout de cinématiques était aussi assez innovant et d'ailleurs elle perdura à travers les jeux jusqu'à dans les années 2000. On était alors dans les années 90 à la mode du full motion vidéo, mais en fait la mode n'est jamais passée dans Command & Conquer. Maintenant ça peut paraître un peu kitsch, néanmoins les jeux se vendront par millions, inspirera des dizaines d'autres jeux et feront de Westwood Studios un studio de renommée incroyable à travers le monde, à tel point que Brett Spiri et Louis Castle, les cofondateurs de Westwood, deviennent à ce moment les personnages les plus influents sur la scène du jeu vidéo. Bref, comme diraient certains, bon, c'est un peu le bordel chronologique dans mes vidéos. Alors oui, c'est vrai, puisque c'est-à-dire que quand je parle d'un studio, ben, je commence à parler d'une série, je parle de toute la série, et du coup, ça fait des retours en arrière historiques, j'en suis désolé, mais mon but est aussi de raconter une histoire et pas seulement énumérer les jeux développés par un studio l'un après l'autre sans rapport aucun. Donc voilà. Donc bon, ben, on va rien changer, puisque Westwood Studio doit beaucoup à Command & Conquer, mais ce n'est pas les seuls jeux qu'ils ont sortis. On peut parler de Monopoly en 1995. Bon, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, c'est le jeu de plateau en jeu vidéo, pourquoi pas. Il y a même un nouveau jeu Monopoly Plus qui vient de sortir ce mois-ci sur Steam, donc bah, pourquoi pas. Alors surtout, Westwood va marquer les esprits aussi avec la sortie du jeu Blade Runner en 1997, inspiré du film du même nom avec Harrison Ford sorti 15 ans plus tôt. Pour sa promotion, le jeu sera présenté comme un jeu d'aventure en 3D temps réel. En tout cas, Westwood a pris encore une fois beaucoup de soin pour respecter le mieux possible l'œuvre originale et l'univers. Souvent cité comme jeu d'aventure de l'année 1997 par la presse, le jeu se vendra à plus d'un million d'exemplaires, envisageant ainsi une suite, mais bon, après calcul de l'argent que le jeu aurait coûté, le projet fut finalement abandonné assez rapidement. Louis Castle, donc le cofondateur de Westwood, a révélé que les assets du jeu avaient été perdus dans les différents déménagements du studio, ce qui fait qu'aucune remasterisation ne devrait avoir lieu. C'est bien dommage, d'autant plus que la licence est actuellement détenue par Electronic Arts, on va pas tarder à savoir pourquoi. Comme je disais, devenue emblématique d'une époque, la série Command & Conquer continue avec d'excellents résultats. La série Dune aussi a un peu moins de succès, mais tout va presque basculer en 1998, alors que la société va plutôt bien financièrement, Westwood devenant une référence dans le genre RTS. L'entreprise est rachetée par Electronic Arts pour un montant de 122 millions de dollars. À ce moment-là, on estime que Westwood détient 5 à 6% du marché du jeu sur PC, bon, grâce surtout à Command & Conquer, et à partir de là, ce n'est plus Virgin, mais Electronic Arts, qui va donc éditer tous les jeux estampillés Westwood Studios. En 1999, ils sortent Recoil, un jeu de combat de véhicules, de tank en fait, sur PC. Alors il a été co-développé avec Zipper Interactive, qui avait sorti Mech Warrior 3 la même année, et qui du coup reprendra le même moteur de jeu. L'année suivante, Nox, qui est un action RPG sur PC en vue isométrique, dans lequel on incarne un humain envoyé dans un monde parallèle style fantasy, comprenant aussi un mode multijoueur comme le match à mort ou la capture de drapeau, inspiré des modes multijoueurs des FPS à la mode comme Quake ou Unreal par exemple. Après une bonne campagne marketing orchestrée par Electronic Arts avec lancement d'une démo, une version bêta, l'organisation d'un mini tournoi, les critiques admirent plutôt bien l'ambiance du jeu, ses graphismes et son gameplay. Il sera entre autres comparé à Diablo 2 qui sortira 5 mois après, donc c'est pas rien. Mais Electronic Arts ne continue pas longtemps à soutenir le jeu et ferme finalement les serveurs en ligne assez rapidement. L'année 2002 sera donc malheureusement la dernière pour Westwood Studios. Ils sortent d'abord Pirates 4 la Rouge, un jeu d'action-aventure sur PlayStation 2 et Xbox. On y suit la belle Catherine, fille d'un gouverneur, qui va devenir une pirate. Le jeu alternera des phases de navigation et d'exploration. On découvre des trésors, des quêtes à accomplir ou encore des forts à conquérir. Un gameplay varié assez intéressant.
Westwood va aussi sortir Earth and Beyond, un MMORPG de science-fiction dont le développement a débuté 5 ans plus tôt quand même, et dont 100 000 personnes s'inscriront les premiers temps. Westwood a créé plus de 100 zones de jeu, alors c'est plutôt bien reçu par la critique, le jeu va être assez vite déserté, car la concurrence devient très importante sur le secteur MMORPG au début des années 2000, et Electronic Arts décide donc de fermer les serveurs en 2004. Et enfin, dernière mise à mal pour Westwood Studios, le jeu Command & Conquer Renegade, une sorte de spin-off à la série principale, car ici on se retrouve avec une vue à la première et à la troisième personne. Ce sera d'ailleurs le seul jeu de la série à faire cela, et malgré les 250 000 exemplaires vendus et les plutôt bonnes critiques, Electronic Arts n'accepte pas un nouvel échec de la part de Westwood Studios, qui n'a plus l'aura du milieu des années 90. La faute à qui ? Un peu à Electronic Arts hein, et ses méthodes de commercialisation de jeux vidéo, le manque aussi d'inspiration de la part de Westwood, la difficulté à se renouveler. Après avoir été prépondérant dans le style RPG sur PC et surtout les RTS, Westwood n'y arrive plus et Electronic Arts prend alors la décision en 2003 de fermer complètement le studio qui se situait à Las Vegas. La plupart des employés sont virés, d'autres sont conviés à rejoindre les filiales d'Electronic Arts en Californie, au siège social ou encore chez EA Pacific, qui était déjà avant une filiale nommée Westwood Pacific. C'est eux qui ont développé le jeu Nox et Command & Conquer Red Alert 2. Alors ceux qui n'ont pas voulu suivre Electronic Arts en Californie s'associent pour fonder un nouveau studio à Las Vegas, Petroglyph Games, qui réaliseront des jeux Star Wars, Panzer General ou encore Grey Goo en 2015, annonçant le renouveau du RTS. Mais bon, Blizzard et son StarCraft a longtemps dominé sur ce secteur pendant les années 2000, alors que déjà Warcraft et Command & Conquer étaient concurrents dans les années 90. Brett Sperry fondera son studio en 2008, Jet Set Games, spécialisé dans les jeux mobiles. Et de son côté, Louis Castle, l'autre fondateur de Westwood, avait déjà eu une bonne place dans la direction d'Electronic Arts, entre autres vice-président du Creative Development. Il travaillera ensuite pour Garage Games, puis pour Zynga, célèbre développeur de jeux sociaux sur Facebook, et enfin dans la filiale jeux vidéo d'Amazon. Bref, 2003 marque donc la fin d'une époque, la fin d'un des plus célèbres studios de développement sur PC des années 90. Grâce à ses talents dans le style RPG, ils ont quasiment créé le style RTS, les jeux de stratégie en temps réel avec d'abord Dune 2, puis peaufinant à merveille le concept avec Command & Conquer. Quand Electronic Arts a repris cette licence dans les années 2000, car il y a eu d'autres jeux qui sont sortis dans les années 2000, même après la fin du studio Westwood, ces jeux ont été développés et édités par Electronic Arts, par EA Los Angeles plus précisément, puis par Victory Games, puis par EA Phenomic. La licence a sans conteste perdu de sa superbe, que ce soit pour la série principale Tiberium ou celle dans l'univers alternatif, la série Red Alert, les jeux se vendant de moins en moins bien au fil des années. Le dernier jeu date en tout cas de 2012, Command & Conquer Tiberium Alliance, un free-to-play, MMORPG, science-fiction, militaire, jouable par navigateur. Westwood Studio a donc marqué les joueurs PC des années 90, comme moi par exemple. Fermé il y a plus de 14 ans, ce nom parlera sans doute pas du tout à la jeune génération de gamers aujourd'hui, mais il a été d'une importance à mon avis capitale, innovateur à plusieurs reprises, il n'a pas su se renouveler, créer par exemple un nouveau RTS qui allait tout révolutionner, comme Blizzard a pu le faire par exemple, quand ils sont passés de Warcraft à Starcraft, et je crois pas trop me tromper si je dis qu'aujourd'hui, l'importance de l'e-sport, le succès de Starcraft dans le milieu, eh bien on le doit bien sûr à Blizzard, mais je me plais à dire qu'on le doit aussi à un certain Westwood Studios qui a su implanter sur les PC des années 90 sa licence phare Command & Conquer. Westwood Studios reste donc cher à mon cœur de vieux joueurs PC, et c'est pour ça que j'ai voulu vous faire partager l'histoire de ce studio aujourd'hui, légendaire d'une certaine époque. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu malgré le bordel chronologique habituel. Un petit like, un petit commentaire, un gros partage sur les réseaux sociaux, vous connaissez la chanson. Merci de votre soutien, on se retrouve très vite pour une nouvelle chronique sur ma chaîne. A bientôt, ciao !